Yvelise, que vous retrouvez bien évidemment dès demain soir à partir de 20h. Soyez les bienvenus. Merci de cette fidélité que vous nous accordez régulièrement. Et puis, nous sommes là aussi, quelque part, pour vous apporter du bonheur. Nous avons ce privilège, en tout cas, ce souffle de vie. Nous sommes très ravis. Et si nous vous apportons du bonheur, vous nous voyez encore doublement ravis. Bonsoir, Séverine. Bonsoir, Pascal. Effectivement, du bonheur, ben, du bonheur avec du sport. Et on espère, effectivement, mettre de la joie dans le cœur de tous. Bien sûr, quand vous nous regardez le lundi soir et le vendredi. Et ouais, c'est, justement, j'ai pour continuer de le dire assez souvent, c'est quand je suis là, je sais qu'on est... Lundi. Soir, sur la terre. Voilà, c'est très important. Nous remercions celui que nous voyons pas, en tout cas, qui a cette puissance, en tout cas, de nous donner ce souffle de vie, force pour toutes ces personnes aussi qui souffrent en silence. Donc, on voyons beaucoup, force pour tout le monde qui est malade. Mais avant, on va quand même partir du côté de Saint-Domingue. Ouais, parce que c'est le tout. Le tout s'est donc terminé aujourd'hui avec une belle dernière étape. Il y a eu pas mal de rebondissements et je suis sûr que vous le savez, puisqu'il y a des Abymiens qui sont à Saint-Domingue. Et ils sont nombreux, je crois qu'ils sont même 6, 7, ils ont même porté le maillot. Et chez vous, aux Abymes, vous avez même un Réunionnais qui évolue et qui a porté le maillot à deux reprises. Il s'agit de Mathieu Pellegrin. On va aller du côté de Saint-Domingue très, très rapidement, puisqu'il va falloir les libérer pour qu'ils aillent dîner. Il n'y a pas de décalage. Nous avons des invités aussi sur le plateau, des jeunes, des perles même, vous le verrez dans un instant. Et puis, quelqu'un qui fait beaucoup aussi pour le judo. On part du côté de Saint-Domingue, retrouver l'équipe du CSEA Propreté 2000. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, bonsoir à tous. Yann Francis Eptol pour avoir le retour sur le plateau. Alors, on voit tous alignés, mais il me semble qu'il manque quelqu'un chez vous, là. Il manque Mathieu Pellegrin, non? Oui, mais... Il est un petit peu malade vu qu'il a pris un coup de froid à l'arrivée au sommet, donc il ne sera pas là exceptionnellement ce soir. Bon, donc on comprend parce que c'est lui Mathieu Pellegrin qui a été leader, a porté quand même 2 jours ce paletot jaune. Alors messieurs, là vous avez terminé cette dernière étape du tour de Saint-Domingue, on peut dire Mévin, et puis j'aperçois aussi Yonis Pérez qui est là, le jeune Yonis Pérez, salut, il y a Rémi Widji. C'est Alexandre Nachages qui est là? Oui, oui. Histoire aussi avec le vélo, c'est une belle histoire aussi avec ses parents. C'est quelqu'un qui a un cœur tendre. Félicitations en tout cas, messieurs. Alors aujourd'hui, avant de parler donc, de ce maillot jaune de Mathieu Pellegrin, aujourd'hui, il y a eu un fait de course. L'équipe de Sanchez Jiménez s'est retirée donc, du peloton avant cette dernière étape. Ils n'étaient pas contents des bidons collés que Moura a eu. Ils ont porté réclamation, c'est pas passé, donc ils ont décidé de ne pas prendre le départ ce matin. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Mévin. Eh ben, en fait, c'est qu'on reste 3 couchés sur le bidon pendant la vie d'aimer à la voiture. Que ça? Comment? Oui. Il y a une règle de 5 secondes, d'après moi, pour les bidons. Et il a abusé, donc voilà. Ils ont porté réclamation, malheureusement, c'est pas passé. Que vous tirez, puisque quand même, vous avez eu 2 belles victoires d'étape consécutives, on le rappelle, avec Ronald de Giron, du CSEA Propreté 2000. On sait que nous avons quand même un très bon, la personne de Johan Gène, qui n'est pas avec vous du côté de Saint-Domingue. Mais est-ce que Johan Gène est pour beaucoup dans cette amélioration et surtout ces 2 victoires d'étape et aujourd'hui votre classement général? Ben, c'est vrai qu'on est très fiers de nous, puisque ça fait longtemps qu'en équipe de Guadeloupe n'avait pas aussi bien fait cette avoir, je pense. C'est vrai qu'on était très motivés. Cette année, on s'est préparé autrement. Et pour cela, on tient à remercier tous les sponsors qui nous accompagnent. Et notre président qui fait énormément pour nous, ainsi que notre entraîneur, M. Éricois, pour les programmes. Et voilà, les résultats, c'est le fruit du travail qui paye. On est une équipe soudée, on a su le montrer qu'on pouvait montrer de bonnes choses. Et puis voilà, je tiens à féliciter mon coéquipier Ronald Giraud aussi, puisque il fallait avoir les gens pour faire ce qu'il a fait. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous avez tous terminé l'étape aujourd'hui? Oui, il y a juste Yonis qui abandonne lors de la 3e étape.
C'est vrai que ce n'était pas évident pour lui. Il est sorti du Paul et c'est vrai que toutes les étapes étaient longues. Il faisait très, très chaud. Donc, il a eu un coup de chaud et ça n'allait pas du tout pour qu'il a préféré s'arrêter, malheureusement pour lui. Mais je pense que les deux étapes qu'il a pu faire, ça va lui apporter un plus pour la suite de sa saison en France. Un petit mot pour Yonis Pirez. Yonis, comment va? Ben écoute Pascal, franchement, je n'ai pas pu beaucoup m'exprimer sur ce tour malheureusement, comme Mévin te l'a dit. Mais bon, je garde quand même une très bonne expérience parce que c'est de nouvelles routes, c'est de nouveaux coureurs à affronter. Malheureusement, ma santé a décidé que je devais arrêter le tour et c'est bien dommage parce que j'avais les jambes. Mais bon, je serai d'attaque si le CSCA est d'accord pour un nouveau tour et s'il le faut, je serai là. C'est bien cet état d'esprit, Yonis Pérez. Alexandre, la sagesse. Un petit mot, Alexandre? Non, mais pour moi, c'était une première participation. Donc, ça s'est bien passé. Pour moi, c'était une période difficile aussi. Mais vraiment, c'est du maximum. Je pense que tout le monde fait le travail par vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres hein, pour la saison. Alors, on sait que tu as cette fibre aussi d'agriculteur. Comment est-ce que ça se passe avec, avec maman là? Je sais qu'il y avait aussi l'accompagnement avec maman du côté de Goyave et de Capesterre. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien? Oui, ça se passe toujours bien. Hein. Je travaille toujours avec eux. Ils me permettent d'avoir des facilités pour l'entraînement. Donc, je les remercie encore pour ça. D'ailleurs, pourquoi à eux? Je pense qu'ils vont gagner en récolte. Exactement, Alexandre. Je suis un peu un ouvrier polyvalent, on va dire. Je fais un peu de tout. J'ai aussi la casquette de technicien. Donc, bon, par rapport au vélo, je ne suis pas autant présent qu'il me faudrait. Mais bon. C'est malheureusement bien, je vais donner à fond pour le vélo encore quelques temps et puis je vais reprendre la suite. Bien. Rémi, Luigi, un petit mot pour la Guadeloupe et singulièrement Hans Bertrand. Pour moi, ça a été beaucoup combien. Ça a été, c'est juste que parce qu'il y a eu une étape de chute. Et après, j'ai couru beaucoup de boutons, j'ai quand même terminé mon étape. Mais après, quand j'ai fait le constat à l'arrivée, j'ai constaté que mon vélo était cassé. Après, comme nous sommes à la guerre, hein, j'ai bricolé mon vélo pour pouvoir le trouver, comme le pouvait. Avec le vainqueur des deux étapes, Ronald Giraud, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette étape que tu as gagnée et la deuxième aussi qui arrive juste derrière? Ces deux belles étapes. Ben, on va dire que j'étais. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas trop quoi dire parce que je suis vraiment content. Parce que tout d'abord, on a fait un travail d'équipe. Enfin, ça a été un travail d'équipe, beaucoup d'équipe. Donc, je suis venu la première fois. Je me suis dit, bon, ben, pour présenter les abîmes, Comment va Mathieu? Mathieu Pellegrin. Ben là, c'est pas trop trop la forme, mais sinon, ben justement, on tient à le féliciter parce que je pense que la majorité de la partie des résultats ici, c'est grâce à lui. Je pense que ses connaissances de l'ADN l'ont bien aidé. Ils nous ont bien aidé. Donc, le résultat est là, hein. Deux victoires d'étape, une deuxième place. À l'échappée presque tous les jours. Maillot jaune. Donc, voilà. Je pense que lui, il est juste un petit peu déçu de ne pas avoir pu gagner la deuxième étape. Il se fait sauter sous la ligne. C'est toujours un peu vexant. Mais c'est de bon augure pour la suite et on revient, on va être encore plus motivé avec la fin de vaincre. Le meilleur au classement général à l'issue de cette dernière étape, Mévin, parmi vous? Au général ou au classement de l'étape? Final, oui. C'est moi, je termine normalement 23e. Après-midi, vous êtes sur la Guadeloupe? Oui, on arrive à 15h normalement.
Il y a un coureur que vous connaissez aussi, ça a été mon coup de cœur aussi ce dimanche. Il s'agit donc de Dylan Boucaud. Il vous regarde, Dylan. Salut Dylan, je félicite. Mais en tout cas, merci messieurs. On vous souhaite un bon dîner. Ok, merci beaucoup. Effectivement, bonne soirée. À demain. Ok. J'espère que vous parlez bien l'espagnol. Sí, un poquito. Obrigado. Ok. Buenas noches. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Buenas noches, amigo. Merci beaucoup. On a entendu aussi bien évidemment que cette formation de Jiménez s'est fait sortir complètement. On n'a pas pu prendre le départ. Toute la formation en tout cas. Et puis cette belle 23e au classement général. Cette place, 23e place au classement général pour justement Melvin Gene. Il y a encore du cyclisme. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Je vous laisse présenter nos invités. Alors, il y aura effectivement du cyclisme, mais on va également parler judo ce soir avec donc Fred Nomed, qui est donc le président de la Ligue et qui sera donc parmi nous ce soir. Fred, bonsoir. Bonsoir, donc déjà à toute l'équipe de Canal 10 et puis à tous ceux qui suivent Canal 10, puisque en fait, je dirais Canal 10, la chaîne du judo aussi. Et puis, et on aura également de l'athlétisme, avec donc notre récente championne qui est donc ce soir parmi nous. Et donc, il s'agit donc de Daliana Rouvillon. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et je suis très ravie d'être ici ce soir. Et donc, on l'a présenté tout à l'heure, on le représente. Donc, c'est Dylan Boucaud qui est avec nous et qui est donc le coup de cœur de Pascal. Et donc, on va découvrir ce soir avec grand plaisir. C'est ton avis, mais aussi, c'est ça? Oui. Salut Dylan, ça va? Oui, ça va. Pas trop intimidé? Non, ça va, c'est pas Séverine. Non, c'est pas Séverine. Il a l'air détendu, dans ses boîtes, prêt à justement. Prêt à vous dire. Dylan Boucaud qui a 19 ans, nous avons, c'est une voix pépite, donc j'espère que ça ira par la suite pour Dylan. Nous avons avec nous Daliana aussi. Que vous avez rencontré, je ne sais pas si c'est lors d'une interview, je ne sais pas. Une interview à distance. À distance, voilà. Là, vous la voyez. Je salue son père Barbeau, qui fait beaucoup aussi pour lui, également sa mère. Donc, il évolue au sein de l'ETAG, c'est ça? L'ATG, c'est oui. L'ATG, Entente Athlétique Terre de Guadeloupe, située à Pont-Louis. Voilà, vous voyez, il y a des disciplines comme ça, et c'est souvent ces disciplines où on ne voit pas trop chez les médias, mais qui ont beaucoup de champions et de championnes. Ça, c'est l'athlétisme. Elle a été championne en 2022, 60 mètres haies. Et ce championnat 2023 aussi, avec vous, que nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir là-dessus. Donc, c'est important pour nous, pour moi, de faire venir ces deux jeunes. Ça, on ne demande pas l'âge des dames, mais bon, vous êtes assez, assez jeune aussi. Et puis, nous aurons celui qui a été champion de 60 mètres, qui a battu le record de France. C'est qui? Oui, Ilan Bizassen. Voilà, il est du stade d'Amantina. Nous aurons aussi quelqu'un de très fort aussi. C'est lui qui a permis à Willem Bélossian de devenir ce qu'il est. C'est qui? Miko Vaitinagon. Voilà, donc voilà, ça c'est le côté athlétisme. Donc c'est un homme aussi que j'apprécie beaucoup. Ils sont en métropole, donc nous aurons aussi leur interview, bien évidemment. Le judo avec... Avec Fred Nomed, donc ce week-end, il y avait donc les championnats de kata. Voilà, la compétition kata. Voilà, donc c'était donc l'occasion, après une semaine aussi de stage, de pouvoir qu'il s'achevait en fait avec ce championnat. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, parce qu'on vous a déjà reçu, vous nous avez déjà présenté, mais qu'est-ce que le kata? Alors en fait, le kata, c'est une série de mouvements codifiés. Par Jigoro Kano. En fait, il y a 5 kata précisément que maintenant, en Guadeloupe, il y a eu la formation des juges juste sur le kata, à pouvoir le noter, l'évaluer, parce que la France se retrouve quand même championne du monde de kata. Donc aujourd'hui, on a pu faire venir un expert national pendant une semaine pour remettre un petit peu à flot nos connaissances, mais surtout nous apprendre cette nouvelle discipline où il y a des combattants. Mais en fait, le combat, c'est contre soi-même de pouvoir exécuter un kata convenablement. Donc cette formation pendant une semaine a été quand même très approfondie parce que ça nous a permis de revoir aussi les bases du kata, des différents katas, et surtout de nous préparer, je dirais,
aussi bien qu'en judo, aussi bien que déjà en jujutsu, mais aussi en kata pour performer demain. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est aussi bien donc, sur tout ce qui est cette partie combat au sol, mais aussi que la Guadeloupe puisse briller également dans cette partie kata. Voilà, donc c'est une nouvelle corde qu'on rajoute au judoka guadeloupéen, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que bien souvent, nos judokas font du judo, compétition. Ils font aussi du jujutsu fighting, ils font du newaza au sol. Et maintenant, bon, ils rentrent dans une nouvelle dynamique avec les compétitions kata. Donc, ça veut dire que ça demande une discipline, rigueur. Mais ça veut dire que c'est un investissement aussi, qu'ils connaissent de mieux en mieux les formes de corps pour les techniques. Et je dis, tout ça, c'est pour aller vers l'excellence. Je vous propose justement de regarder un petit peu en image ce que c'est que, avec les deux vainqueurs, justement, donc de ce dimanche, donc de cette compétition qui avait lieu au Krebs, on le rappelle, et donc pour qu'on puisse voir un petit peu donc à quoi ça ressemble. Là, donc c'est père et fils. Père et fils qui travaillent ensemble, et c'est le fils qui avait commencé, et puis finalement il a ramené le père. Ah. Qui est devenu aussi ceinture noire. Les deux fouettes. Donc est-ce que vous pouvez un peu justement nous expliquer? Alors là, ce kata qu'ils exécutent, c'est le Goshin Jitsu. Donc en fait, c'est un kata sur lequel on va travailler les défenses, les attaques. Donc en fait, toute la partie self-défense que tout le monde connaît se retrouve codifiée en fait à travers les katas. Et vous allez voir que dans la prestation, il y a 5 juges au bout qui normalement évaluent les personnes qui sont sur le tapis, les judokas. Et sur le côté, je dirais, peut-être gauche de l'écran, en fait, à terre, il y a les armes. Donc, en fait, ils ont dans le kata toute la partie utilisation, savoir se défendre lorsqu'on est attaqué au revolver, au bâton ou au couteau. Donc, en fait, c'est vrai que pour les judokas, on les connaît surtout que dans les combats rapprochés. Mais en fait, ils ont d'autres cordes à leur arc. Et ça montre que le judo, c'est vraiment un sport aussi qui est très défensif, où chacun peut venir s'exprimer. Donc c'est une invitation aussi à dire qu'il y a ceux qui peut-être n'aimeront pas la compétition, je dirais, combat par catégorie de poids, ou le jujutsu disant que peut-être que c'est du pied-point, donc peut-être ça ne les intéresse pas. Mais il y a le kata, donc ça veut dire que maintenant, un judoka, plusieurs axes de développement, et en même temps, ils sont tous complémentaires. Donc, c'est surtout ne pas les opposer, parce que le judo, en fait, il n'y a qu'un judo. Et donc, chacun, en fait, a un rôle. Voilà. Si on regarde bien, on voit bien. Alors, on a le Tori, qui se trouve du côté du Fagnon, Ligue de Judo de la Guadeloupe. Et en fait, on a le Ouki en face, qui, lui, va lui porter des attaques. Et à chaque attaque, il y aura une réaction en face qui sera suffisamment équivalente pour pouvoir désarmer l'adversaire qui est en face et surtout le maîtriser. Donc aujourd'hui, on apprend aussi donc, le maniement des armes, et c'est pour ça que par exemple le judo est très intéressant aussi pour, je dirais, la défense, le self-défense qu'on pratique, et permettre par exemple aux femmes aussi de pouvoir savoir se défendre, comme les hommes. Ah ben oui, on va justement donner donc les résultats donc de cette compétition dans la catégorie senior. Vous l'avez vu donc à l'image, donc c'est René et Noé Dévoué qui sont donc repartis avec donc le titre du Sangoku Club. Donc à la deuxième place, on avait Castet Mathéan et Jean Gadou Steve. Donc du Nagano et Sangoku Club, donc je pense que c'est une association. Oui, des alliances de clubs, parce que le principal c'était de participer et de travailler le kata ensemble. Et donc troisième, donc dans cette catégorie senior, on avait Théophile Damien et Thierry Tassius du Tsunami Club. Donc dans la catégorie junior, 15-18 ans, c'est Héron Anae et Tribon Océane qui se sont imposés du Tsunami Club.
Flessel, Jessie et Jean-Louis et Laurie, toujours du même club, sont deuxièmes. Et donc Jasmin, Manoé et Bourroyan du Sangoku Club terminent à la troisième place et dans la dernière catégorie, donc le kata jeune. Donc c'est Boncœur Axel qui s'est imposé avec Tico Matisse de l'ESM d'Akajo devant Goël, Jason et Galix Nine. Donc du même club. Donc voilà. Alors, donc il n'y avait pas énormément de participants, visiblement. Alors là, il y avait, on avait quand même 16 participants. Mmh. Mais c'est vrai que comme c'est la première édition, parce que l'an dernier, on a fait un coup d'essai. Mais là, cette fois-ci, on a fait venir quelqu'un pour M. Marc Aguillot, qui est quand même un des préparateurs de l'équipe de France nationale. Il prépare les champions qui vont normalement au championnat d'Europe et championnat du monde. Donc, en fait, on a fait venir une pointure pour commencer à mettre, partir sur de bons rouages. Et aujourd'hui, c'était déjà un premier test. Là, on va continuer la progression de la formation aussi bien des entraîneurs, parce qu'un kata de compétition ne c'est pas pareil. En fait, je dirais, ne s'exécute pas de la même façon qu'un kata. Il n'y a pas le même niveau d'exigence que la présentation d'un kata pour un grade. Mais attention, tout ça, c'est le kata. Mais là, il y a des notations sur la posture, sur la façon de marcher, sur la façon, l'engagement qu'on met pour faire le kata et le présenter. Ben, un petit mot, Fred, sur le judo de manière générale, où l'année 2023 a bien commencé, l'année aussi 2022 s'est bien achevée, avec donc, le para-judo aussi, avec de très bons résultats. Donc c'est vrai que là, la reprise après post-Covid, on va dire, est plutôt positive pour le judo guadeloupéen. Ben, je dirais que, avant tout, je tiens à remettre, comme on dit, à César ce qui appartient à César. Vous avez aujourd'hui des entraîneurs, des professeurs de judo qui sont très engagés au niveau de tous les clubs. Et c'est eux qui font le travail de fond. La Ligue est là pour aider, accompagner. Mais c'est avant tout eux qui sont sur le terrain et qui font vraiment le boulot au niveau des jeunes, au niveau des moins jeunes et des compétiteurs. Il se trouve que cette année, je dirais, c'est une année qui est déjà très belle. Parce que l'an dernier, juste après le Covid, on a eu Romuald Rabouteur, qui est du club Maeda, entraîné par M. Nicolas Mouradel, et avec tout un staff autour, d'autres entraîneurs qui sont venus aussi prêter main forte. Donc ça veut dire que les gens savent mettre, je dirais, leur notion de club à côté lorsqu'on décide de pousser un Guadeloupéen vers l'avant. Et finalement, on a eu M. Rabouteur, qui cette année, l'an dernier était déjà champion de France. Cette année, il a remixé la chose pour être doublement champion de France. Et on a monsieur aussi Albisson Mathieu, Roy, qui en fait, lui, l'an dernier a été champion de France de Jiu-Jitsu et vice-champion en Ewaza. Et bien, cette année, il a fait la même chose. Donc, ça veut dire qu'on a des gens qui arrivent à conserver leur titre au niveau national sur deux saisons. Dernièrement, il y a des clubs qui ont dû partir en métropole pour aller faire du Jiu-Jitsu, du fighting. Et ça a relativement bien marché au point qu'on a eu une nouvelle championne de France chez les jeunes qui a explosé aussi. Donc ça veut dire que le temps du Covid, ça a été le temps de la formation parce qu'on avait essayé de mettre le maximum de personnes en formation. Et là maintenant, ça commence à porter ses fruits parce que les profs ont travaillé, tous les profs ont travaillé à leur niveau. Et donc, on se retrouve avec 5 jeunes au Jiu-Jitsu, plus M. Mathieu Albisson, qui sont normalement maintenant attendus au championnat d'Europe. Donc ça veut dire que la Guadeloupe Terre de Champions travaille, et puis dans le calme, mais surtout, je dirais, avec une certaine sérénité, puisque les gens sont à leur poste, ils font leur job plus que jamais, et surtout, je dirais, ils ont foi dans ce qu'ils font. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la difficulté pour un sportif, c'est d'exister, mais aussi d'aller au-delà des mers. Aujourd'hui, les gros problèmes, je pense que pour l'ensemble des associations, c'est de ne pas avoir, je dirais, par exemple, pour le judo, un dojo régional qui nous permettrait de préparer encore mieux nos athlètes, nos sportifs, et qui pourrait être utilisé par tous les clubs. Parce qu'aujourd'hui, c'est de la manutention pour les tapis, c'est plein de choses qui sont un petit peu tracassantes. Mais je dirais,
une saison qui s'est achevée sur de bonnes notes. Et la nouvelle commence sur de nouvelles notes positives, en sachant qu'il y a certains qui vont peut-être même qui vont aller vers les premières divisions. Donc, le judo a une dynamique en avant. Voilà, Pascal, en avant. Ah, magnifique. Le judo, c'est vrai que vous avez parlé du para-judo avec notamment Romuald Raboteur, qui a eu la médaille de bronze pour les championnats d'Europe. Et alors, avant le championnat, parce que c'est le même qu'il a battu au championnat d'Europe, il a pris sa revanche pour le championnat de France. C'est une belle histoire aussi pour Romuald Raboteur, parce qu'il a subi c'est une agression qu'il est devenu aveugle. Comme quoi, que dans la vie, il faut toujours. Faut être un battant. Ce courage, et pour avoir pratiqué un petit peu le karaté, c'est sans prétention aucune, c'est vraiment une belle discipline. Les arts martiaux nous apprennent à canaliser un peu les énergies. Parce qu'on a tendance à être un peu fougueux, oui. Et il ne faut pas perdre de vue que Romuald Raboteur, donc double champion de France, a été terminé quand même aussi juste après, premier au tournoi du Portugal. Et il fait troisième au Grand Prix d'Allemagne. Et là, il y a eu aussi des résultats de judoka qui ont été formés en Guadeloupe par des Guadeloupéens, notamment Stacy Bastaro, qui se classe troisième sur un grand tournoi aussi. Donc, ça veut dire que ici, nous avons... Nous avons de très grands formateurs. Voilà. Et en l'occurrence, j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer Marc Courtois, qui est le frère d'Angelio Courtois. Vous avez et de Bédard. Et de Bédard, voilà aussi. Ouais. Ce sont trois frères, mais vraiment un frère exceptionnel. Et il y a aussi Marc Guillou, aussi, directeur de l'Omnisport de Pointe-à-Pitre. Et sans oublier William Sell. Voilà, William Sell. Je dirais que là, en fait, j'ai su que. Donc, comme on n'a pas toutes les structures qu'il faut, j'ai su qu'il y a 8 judokas qui sont en préparation vers des diplômes aussi. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que l'accompagnement qui serait nécessaire, c'est que plus on a des pros formés, plus ils se déplacent aussi pour voir et avoir de l'expérience. Comme l'an dernier. Qu'est-ce qui vous manque pour ça, alors, dans ces cas-là, c'est la ligne. C'est-à-dire que c'est mettre en place vraiment une structure de formation, parce qu'on a l'IRFEJ, qui est en fait notre institut régional de formation, qui travaille déjà pour... aguerrir les profs, mais après il faut avoir soit devenir centre de formation, et là c'est encore une démarche et processus, mais il faut avoir les bonnes personnes aux bonnes places. On a le sentiment que quand même que bon, c'est pas encore tout à fait ça au niveau de la Ligue de judo, même si il y a de bonnes personnes avec de bonnes volontés, est-ce que vous vous sentez aidé un petit peu? Alors je vais dire que la plus grande aide qu'on puisse avoir là, et je ne parle pas en mon nom seul, mais je pense pour tous les judokas, c'est qu'on est vraiment la structure. Qu'on appelle un dojo régional, qui va nous permettre d'avoir des salles de formation, avoir des profs en permanence, parce que le grand projet judo que je vois qui serait bénéfique pour la Guadeloupe, c'est qu'à travers cette grande salle, on puisse aussi récupérer ceux qui sont dans les écoles. Vous voulez installer où, au palais? Je préfère, là c'est les politiques seulement qui pourront me dire où est le terrain. D'accord. Donc je n'ose pas, comme on dit, prendre des... Est-ce que le palais des sports peut être aussi ce lieu? En attendant que ça soit construit. Il pourrait être, mais en fait, un dojo régional, ça sous-entend que les tapis ne se déplacent plus. Wow. Donc, c'est là la difficulté. C'est un espace dédié. Et, voilà, dédié, mais pour les arts martiaux, de façon générale, on n'a pas d'espace à ce titre. Aujourd'hui, ça moi, ce qui m'intéresserait sincèrement pour tous les sportifs de pied-point et de combat, c'est qu'on puisse vraiment avoir un espace pour nous, et surtout que derrière, on a les licenciés. Mais on a plein de gens, plein de jeunes qui finalement passent à côté de peut-être une possibilité de s'investir dans une belle carrière sportive en venant faire les écoles, profiter du tapis, faire de l'initiation. C'est où on sort le plus de champions, hein, dans les sports individuels comme ça. Merci beaucoup. Restez avec nous, Fred Noumet. J'aime bien tous les sports. D'ailleurs, honneur aux dames, avec Diane dans un instant, avec Diane Boukou. Daliana, qui est Daliana Rovillon? Elle a dit qu'elle a 23 ans, elle a été championne hier en 60 mètres haies. Moi, j'ai du mal même à enfourcher une chaise. Alors imaginez, je crois que sur les haies, il y a combien sur les 60 mètres, il y a combien de haies à peu près? Il y en a 5 sur le 60 haies, 5. 60 mètres. Oui. Combien de foulées avant la première et la deuxième? Ça dépend de la puissance au départ, mais en général, c'est entre 7 et 8 sur les premiers appuis. Très bien. On a, je crois que c'est la vidéo du championnat de France 2022, c'est ça?
Yann m'a fait comprendre que tout ira pour mieux. On va voir. On espère en tout cas qu'il n'y aura pas de, de raté. Est-ce qu'on peut voir le live? On peut voir le live? Allez, on balance le live. On va voir un petit peu ce que ça donne sur, sur la piste avec, avec Yannouf. La piste ultra rapide du stadium Jean Pélez, Clermont Communauté. Mais qu'est-ce qu'on vient de vivre, Vincent? J'ai regardé un peu ce ralenti là. C'est vrai que sur des séries, on s'attend pas toujours à des gros chronos. Voilà, ça c'est la finale 2023. Aux élites. Vous terminez là, je crois, vice. Non, là c'est aussi là où j'ai réalisé mon record personnel et qui m'a permis d'aller en finale lors des élites. Très bien, on va chercher l'autre vidéo qui va nous faire voir vraiment la course même de Daliana Rouvillon. C'est Yann, hein, ça. Il m'a dit, Pascal, t'en fais pas, ça ira. Donc voilà, je pensais que ça allait s'enclencher tout de suite, Daliana. Voilà, c'est parti. Yann nous fait signe. Allez, on regarde ça. Donc voilà, bon, on a vu les entraînements aussi, puis on a vu cette médaille aussi, mais cette médaille c'était cette année, il y a pas longtemps. D'ailleurs, vous êtes arrivé quand? Je suis arrivé mardi. Mardi. Voilà. Mardi, demain sera mardi. Ça fait une semaine. Une belle semaine. Alors, racontez-nous déjà le championnat de 2022. Là, vous réalisez aussi En 2022, c'est où j'ai eu mon premier titre de championne de France en salle nationale. Après plus de 4 ans sans avoir fait des salles, c'était vraiment inattendu, c'était, je vais pas dire pas prévu, mais l'adrénaline a fait qu'on a été chercher la performance et la médaille, et on réalise une belle performance, une belle médaille. Ça m'a rendu fier pour entamer la prochaine saison qui est 2023 du coup. Daliana, vous habitez où? J'habite aux Abîmes. Pourquoi avoir choisi pour lui? Alors, parce que... Vous habillez bien. Oui, ça fait une belle côte. Vous aussi? Vous habillez bien? Non, petit peu. D'accord. Pourquoi avoir choisi pour lui? Pour lui, parce que j'ai vécu là-bas. D'accord. Et je me suis entraînée là-bas pendant un moment avec mon coach actuellement, M. Yann Boutin. Et j'étais déjà dans un club aux Abîmes, mais j'avais envie de changer, de voir... De nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Donc j'ai dit pourquoi pas, je suis remontée sous pour lui et ça a fonctionné, ça a marché jusqu'à maintenant, ça va. Donc voilà, c'est un choix vraiment très réfléchi et ça paye. Et c'est quel type de piste t'as autant? C'est pas type de piste du tout. C'est quoi? C'est un espace? Alors, le type de c'est de l'herbe. Voilà. C'est de l'herbe, c'est de l'herbe, de l'herbe et un terrain d'handball. Waouh. C'est ça. C'est là que vous vous entraînez et vous avez aussi. Et on a ces résultats, voilà. Qui c'est qui vous entraîne? Monsieur Yann Boutin. Yann Boutin. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est vrai de tous ces entraîneurs sont très très jeunes, très modestes. Le jour où on aura vraiment des infrastructures, je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, mais il est temps. Il est temps. Et quand elle parle d'herbe, ça me rappelle un peu Toutoun, Antoine Chérubin, à l'ancienne, avec... Comme quoi ça paye, comme quoi, malgré que ce sont de l'herbe, malgré qu'on n'a pas forcément les infrastructures et les conditions qu'on a besoin, lorsqu'on arrive là-bas, on arrive à se transcender, se dire qu'on sait pour qu'on vient, donc on se donne, donc on imagine avec les moyens ce qu'on aurait pu faire davantage, donc ça reste toujours une motivation, quoi. Vous êtes une famille, la famille d'athlètes, belle famille. Famille d'athlètes à part mon frère qui fait du foot, pas spécialement. Il y a que mon petit frère qui fait du foot et moi je fais de l'athlétisme. D'accord, mais les autres clubs, on sait que l'adversité n'est que sur la piste, notamment le Carifta Games ou autres compétitions. Mais est-ce que vous formez une belle famille? Parce que on parlera tout à l'heure du stade de la Matinois, qui sont de grands champions. Rico, un petit mot aussi pour vous. Vous formez une belle grande famille.
une belle et grande famille. Après, sur la piste, comme on dit, ouais, c'est chacun pour soi. C'est comme sur le ring, en fait. Voilà, c'est chacun c'est pour chacun. Soi, mais j'aurais pas dit une belle famille, puisque c'est un peu compliqué pour nous, enfin nous, athlètes, d'avoir ce qu'on veut pour progresser. Donc, on se retrouve... Comment je peux expliquer ça? On se retrouve un peu détaché de la réalité, c'est-à-dire qu'on aurait aimé justement fonctionner tous ensemble, mais c'est difficile. Donc la belle famille, on espère qu'elle viendra justement. Ouais. C'est voilà. Vrai que ça fait des années qu'on est là, notamment à traiter un petit peu le sport, et c'est souvent ce même dénominateur commun, ce mal qui existe, on a entendu avec le président Fred Nomed, et pourtant, avec cette résilience, on arrive à sortir des grands champions. Stade La Montinoise, quand je vous parle, pourquoi ce petit sourire aussi? Parce que j'ai suivi les résultats ce week-end, j'ai suivi, c'était les juniors qui ont couru, j'ai vu, les Guadeloupéens ont vraiment super performé. Il vous fait peur ce club? Non, bah fait un peu, mais non, c'est ça fait plaisir à voir. Ce sont des Guadeloupéens, ils excellent là-bas, donc ça fait plaisir, quoi. Papa habite où? Comment? Papa habite où? Au Lamantin. Alors, on va partir du côté de la métropole, retrouver ce montage qui est signé Joël. Notre Joël à nous, on va entendre notamment Rico. Baïti Dingon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a su sortir le meilleur donc, de Willem Belossian. Il y a eu aussi Loïc Laviolette aussi, et également la course donc, de Ilan Bizacel. Je vous propose de regarder Bizacel. Lui, le dernier à se mettre en place dans les blocs, Ilan Bizacel pour le Stade Lamantin, 6,77 tout à l'heure, le record de France de la spécialité. Va-t-il aller plus vite en finale? C'est maintenant et c'est en direct sur Athlé TV. Ilan Bizacel qui met la machine en route avec Axel Romé également pour le CF Bourgoin-Jallieu. Bizacel est champion de France. Attention au chronomètre, il est allé plus vite en finale. 6,74 officieux, nouveau record de France de la spécialité pour l'athlète du Stade Lamantin. 6,74, Ilan Bizacel. Le championnat de France en salle terminé. Terminé pour nous, terminé pour Ilan. Et l'ensemble des athlètes français. Donc voilà, c'est bien joué pour nous, de la part d'Ilan. Coup double, champion de France, du recordman de France, du 60 mètres, et champion de France en saut en longueur avec un saut à 7,19 m. Ma préparation n'a pas tellement changé d'habitude, bien que j'avais une appréhension par rapport à ma mise avant sur la Mulhouse. J'avais des séances dures, effectivement, mais quand je vois le résultat, je me dis que finalement, il fallait bien passer par là. Des félicitations à Ilan, que le mérite pour lui. C'était pas facile de faire cette préparation, déjà par rapport au temps scolaire. Donc nous, on a fait au mieux. Il fallait avoir des séances qui étaient dures. Il a assuré, on avait un petit peu cette appréhension pour Mulhouse. Mais bon, on est passé à côté de tout ça. Donc voilà, il va rentrer en Guadeloupe avec de belles médailles et deux titres à son actif. Bon, alors pour la suite, à mon tour de Guadeloupe, je pense qu'on va partir une semaine après pour le match européen qui opposera la France, l'Italie et l'Espagne. Ensuite, viser aussi les Capital Games 2023 et aussi les différents championnats français et européens. Voilà, Ilan Bizacel, vous connaissez? Oui. J'ai vu sa performance ce week-end. Ouais, c'est du 60 mètres, 6,74. Magnifique. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un très gros chrono pour déjà sa catégorie. Donc, c'est très prometteur et il a du talent. Hein, donc, c'est bien. Il a une belle marge de progression parce que je suis quand même en demi-finale. Il réalisait 6,76
à peu près. 6,76. Ouais, en demi. Donc c'était déjà son, record personnel, son je crois. Son record personnel. Ouais, donc il a fait descendre encore plus en finale. Donc. Franchement, ça fait plaisir. Loïc Laviolette aussi, vous connaissez? Janice. Oui. Janice, là, Loïc, c'est l'autre. Oui, je connais. Ce sont les S ou le 110. Ouais, oui. Ouais. Lui aussi, il est très bon. Donc, ce sont des athlètes qu'on se côtoie, sur la piste, on se voit. Donc, ouais. Alors, comment est-ce que vous vous entraînez? Parce que vous faites le triple saut aussi, c'est ça? Non, je faisais de la longueur. La longueur. Je faisais de la longueur avant, mais là, j'ai arrêté. Je me suis un peu basé sur les S, sur le 100 et le 200. Ouais. Voilà. Arrive un moment, en fait, où on va faire le choix. Voilà. Ouais, on ne peut pas aller partout, on risque de blessures. Surtout. Bah, après, pour le moment, je suis encore polyvalente, donc je profite. Mais après, je pense que tôt ou tard, il faudra vraiment que je me mette dans une case. Donc, voilà. Ouais. Pulsations à combien chez vous? Comment? Vos pulsations? Ah, elles sont à 180, là. 180, c'est énorme. Bon, on comprend un petit peu ici, par rapport à l'ambiance. Alors, justement, si vous aviez un message à faire passer, parce que quand on entend, c'est pour lui que vous entraînez. Hein, oui. Donc, la demande, on imagine, peut-être a déjà été faite aussi pour améliorer. Pour avoir de meilleures conditions, ouais. Oui. Ben, des demandes ont déjà été faites, donc je ne peux que attendre et faire avec ce que j'ai. Mais comme on dit, on lâche rien, c'est des bouillas pas péchés. Donc, je me débrouille je vois que. Avec peu de moyens, ce que je fais, donc je me dis que si ça fonctionne, on va continuer avec et si quelque chose doit venir pour moi, ce sera là. Hein. On n'avez pas envie de lâcher, point du tout, non. Ah non, au stade où je suis actuellement, c'est justement de ne pas lâcher et de me servir de tout ça pour aller plus loin et essayer de, comme on dit, de voir des choses un peu plus grandes. C'est vrai, on vous a vu aussi comme athlète aussi très, très mobilisé justement pour la cause des infrastructures. Ça, on sait que ça vous tient à cœur. Oui. C'est vrai que quand on a 23 ans, on se dit bon ben voilà, je suis une athlète. Et pourtant, ce côté justement investissement, c'est aussi important. C'est aussi un trait de personnalité qui fait que vous n'allez rien lâcher, que ce soit sur le terrain ou en dehors justement pour cette question d'infrastructure. Voilà, parce que je me dis que j'ai commencé l'athlétisme très jeune, depuis petite. Il y a des petits qui viennent derrière, ce serait bien que nous qui sommes là, les grands qui sommes là actuellement, qu'on fasse la continuité, qu'on accompagne la relève, qu'ils aient des choses qui soient un peu plus belles, qu'ils puissent progresser, parce qu'il y a du talent en Guadeloupe, il y a des jeunes qui ont de quoi faire, donc ce serait dommage d'avoir à chaque fois à aller vers la métropole parce qu'on n'a pas ce qu'il faut ici. Donc pour moi, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, parce que je me dis que c'est la jeunesse, c'est l'avenir de demain, donc faut donner ce qu'ils ont besoin pour être performant, quoi. On a retrouvé le championnat 2023. Super. Je vous propose de regarder. C'est la course de Daliana Rouvillon. On y est. La lève à 4 pouces. Grosso Rouvillon, le Nindre. Le réalisateur a changé de favorite. Bien parti d'ailleurs. Bien parti pour Daliana Rouvillon. Elle termine plus vite, elle appuie. Daliana Rouvillon, elle appuie aussi pour Megan Grosso. 8,25. On a bien amélioré les pertes de tout à l'heure. Megan Grosso, très probablement. La 8,25, ça va devenir championne nationale. Battue par au plus forte. Oui, c'est le jeu. C'est le jeu. La performance, elle est là. La place, elle est là. Mais comme j'expliquais, ça a été très difficile de rentrer dans ces championnats à cause des conditions, du voyage. J'étais arrivée une semaine avant et tout. Mais j'ai pris du temps à rentrer dedans. Mais pour moi, c'est une course qui a été très belle parce que mentalement, ça a été un combat parce que le fait de savoir que je partais un peu favorite par rapport à mon titre de 2022. Donc, derrière, ils entendent, ils savent. Donc, elles ont envie de chercher. Mais toi, tu dois aussi avoir la pression de te dire, il faut que je garde le titre. Donc, ça a été une pression. Mais après, j'ai su me reconcentrer. Mon entraîneur a su parler pour moi, me remettre dedans. Et vous avez vu, la finale, elle était très serrée parce que là, je me suis dit non. Voilà, on sent qu'il y a eu un gêne quand même quelque part aussi. Le stress et la pression. Ça a été une mauvaise gestion. J'ai totalement eu une mauvaise gestion de la pression parce pour moi, c'était une première fois que j'arrive sur un championnat où c'est moi la championne en titre. Donc, je suis la personne à aller chercher. Donc, j'étais un petit peu. Je me suis un peu éparpillée. Mais après, je savais que c'était la dernière course. Je voulais faire un temps aussi pour passer aux élites.
Donc là, j'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre et voilà, c'est passé. Je réalise la meilleure performance de ma saison, du coup. Donc ça m'a... C'était de bon augure pour les élites, du coup. Prochain rendez-vous pour vous, c'est quand? Alors, prochain rendez-vous... La saison régulière? Là, pour le moment, je suis encore en repos parce que la saison estivale va commencer, a déjà commencé, mais nous, par rapport au salle, on se repose avant. Mais les prochaines échéances, ce sera les France estivaux. Ce sera tout ce qui sera à l'extérieur. Et après, pourquoi pas de grands championnats dans la Caraïbe ou bien espérer rentrer parmi les grands, quoi. Les grands renommés. Carifta. Voilà. Donc, Carifta, je suis encore un peu trop vieille, Carifta. C'est plus de ma génération. Oh là là, je ne voulais pas dire ça. Non, vous vous rendez compte, à 23 ans, on est déjà trop vieux. Et oui. Ouais. Et à 19 ans, Diane Boucaud. Ça va, Diane? Oui, ça va. Ouais. Vous avez écouté le président Fouad Domed. Daliana qui est juste à vos côtés, la Diane Boucaud, c'est là, c'est du vélo, mais c'est aussi un jeune, vous n'êtes pas vieux à 19 ans. Non. Pour ce que vous avez montré hier sur le Grand Prix de l'Alliance, le Grand Prix de l'Alliance, on parle de vélo, c'est cette course qui a eu lieu dimanche, donc sur au niveau de l'Alliance, là, donc voilà, vous connaissez, donc c'est ce détroit de mer, c'est ça? La rivière Salée, voilà, donc les deux îles sont justement juxtées par ce pont. C'était 8 km, 10 km à peu près, c'était ça à peu près 11 km qu'il fallait faire, il fallait 7 tours 8 tours. 8 tours, donc à peu près 88 km. Alors, qui est Dylan Boucaud? On sait qu'il évolue à la MSC, c'est ça? Oui, à la MSCAP Univers Plus. C'est Amical? Non, c'est Association Musicale Sportive. Musicale? Oui, non, mais en fait, avant, c'était... Il y avait... Avant, il y avait une section musicale. D'accord. Et mais maintenant, c'est devenu sportif. J'ai eu peur. Que du vélo. Voilà, que du vélo. Je me suis dit, je me suis trompé, c'est pas le bon. Il a parlé de... Parce que c'est hier que je l'ai découvert. Bon, c'est vrai que je plaisante un peu, et ça fait un petit moment qu'il évolue déjà avec ce club des habits, mais sa manière de courir... Ça fait 6 ans. Pardon ? 6 ans. Oui, ça fait 6 ans. Ça fait effectivement 6 ans. Et votre entraîneur, le président, c'est Coco ? Le président, oui, c'est Coco Serge, ancien président de la SVO. Et mon entraîneur, c'est... j'ai M. Coco Georges, le frère de Serge Coco, et M. Freddy Uri qui nous a rejoint cette année. D'accord. Alors, il y a une série de photos. On va vous laisser les commenter. Alors là, c'est quand j'ai gagné Périnette dans la catégorie junior, les 20 tours de Périnette. C'était très compliqué, mais voilà. Là, c'était le Grand Prix Boris Karen, où j'étais en entente avec le CCD. Et j'ai remporté le maillot meilleur junior. C'était le lundi après-midi. Là, c'était en Martinique, en KD première année, où ce jour-là, on devait récupérer le maillot avec Isao, Cassie Vialli, Fidji Palmis. On avait Lucas Austin, Kenny Kauti, William Edom. Ouais. Lucas, on sait qu'il est parti tragiquement. Là, c'était le tour KD, où j'étais toujours au KD première année. C'était le contre-la-montre qui gagnait à Gommiers, je crois, si je ne me trompe pas. Là, c'était une course à Capesterre. J'étais cadet deuxième année, là. Non, ça fait Luigi Horn. C'est Luigi Horn. Ça, là, c'était c'est hier. Ouais. C'est juste vous, en blanc, avec le maillot blanc. Alors, il y avait le peloton derrière. Ouais. Vous étiez au nombre de 6 à un moment donné. Vous êtes fait rejoint. Et là, c'est... Là, c'est toujours en cadet première année. Première année, oui, avec Lucas. Mais il y a Lucas à côté. Hein. Oui. Ouais, ça, ses parents. C'était le Grand Prix Boris aussi. C'était la première étape. Anse-Bertrand. C'était en KD1. Première année, je suis parti à la sélection pour aller courir le Tour de l'Avenir en Guyane. Échappé. Ben voici la sélection de Guyane en 2019, où il y avait des juniors première année à l'époque, Tony Chris, Yorick Cassie,
Kili. Et après, c'était décalé. Ah, bon, Lucas aussi. Et il y avait Agricole aussi. Ah, Yanis ? Oui. Qui était venu deuxième, je crois, hier. Il était junior première année. Oui, non, c'était Tony Cruz qui était arrivé deuxième. Dimanche ? Ah, non, il est arrivé, oui, oui. Yanis est arrivé deuxième. Yanis Agricole, deuxième hier. Ouais. C'était en junior première année. Junior première année dans une course organisée par l'USL. On est d'accord, voilà. Très bien, merci Yann. Alors ? Ah, c'était hier. Ça fait quoi ? Vous avez le maillot blanc là ? Oui, c'est. Comment vous étiez à ce moment-là ? Comment est-ce que vous vous sentiez ? À ce moment-là, ben. Je me suis donné à fond. Hein. Je me suis dit, je suis avec les meilleurs. Donc il faut pédaler. Hein. Comment est-ce que vous avez trouvé Benjamin Leny, Tibel? Puissant. Ça roule, hein? Oui. L'homme aux trois poumons. Et il y a De Simone ou De Simone. Oui, ils ont tous été puissants dans le groupe. Franchement, très bon, hein. Sur les relais, c'était très, très appuyé. Oui. Et selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché vers la fin, le dernier kilomètre? C'était la fatigue, hein, puisque il restait quand même très longtemps devant. Oui. Depuis les premiers tours, on était à l'avant. Le peloton qui revenait très, très fort. Oui. Je pense que c'était un peu de fatigue et puis on s'est un peu regard surveillé. Tu l'aimes beaucoup. Vous pensiez à un moment donné à cette victoire, quand vous vous êtes vu comme ça à 6, aux avant-postes? Hier, franchement, j'ai. Non. Non, pas du non. tout. Non, parce que j'étais un peu. J'étais ah bon limite. Ah, d'accord. Mais à quel point, parce que vous ne l'avez pas montré, ça, pratiquement. Non, je n'ai pas montré, mais sur la fin, j'étais vraiment limite. Ah ouais. Mais vous avez pris votre relais, parce que vous avez été lâché à un moment donné. Oui. Vous êtes revenu avec De Simone et Luc, vous avez pris le relais. C'est à ce moment-là, vous étiez aussi complètement cuit? Là, ça allait toujours, mais c'est sur la fin même, j'étais, ouais. Alors, beaucoup parlent aussi donc, de cette capacité que vous avez. C'est le seul club que vous avez... Fréquenté, oui. Fréquenté, oui. Ouais. Oui, comme j'ai dit, j'ai commencé le vélo en minime 2, toujours à la muscu. Oui, et jusqu'à maintenant. Ouais. Voilà. Vous avez des ambitions ailleurs ou je sais pas peut-être. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Ouais. Non, parce qu'en fait, la muscu c'est un club, c'est de base, c'est une école de vélo. Mmh. Et vu que j'ai grandi là, on d'accord. essaye de construire une équipe. Mmh. Voilà. Vous n'avez pas eu de demande de d'autres clubs? Oui, j'ai eu des demandes. Oui. Oui, j'ai eu des demandes. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? C'est cet amour profond que vous avez pour l'école? Pour l'école de vélo et aussi parce que c'est un projet que je pense qui m'intéresse un peu, de mettre une équipe. Donc vous entourez aussi les enfants, quelque part? Parfois. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Mais oui. Vos ambitions, c'est quoi exactement? Alors, restez toujours à l'univers, plus on l'a compris. Mais vous avez ce potentiel, vous le savez, ça aussi. Vous passez bien la montagne, vous. Oui, contre la montre aussi. Oui. Vous n'avez pas envie de faire comme Yonis Pérez, par exemple. Vous l'avez vu tout à l'heure, il est assez jeune, jeune aussi. Vous avez parlé de Kitty, le Saint-Martinois. Kenny Carotti aussi, qui a fait aussi un petit séjour en métropole. C'est le fils de Blad Carotti. Vous n'avez pas envie de faire un petit tour? Oui, mais après, je me dis que je suis jeune toujours, donc chaque chose en son temps. Ouais. Oui. Quel âge a Carotti? On a tous le même âge. Kenny, il y a William Edom aussi. William Edom aussi. On a tous le même âge. Baena? Non, lui, il est plus jeune. Il est beaucoup plus jeune. Oui. Il a fait un petit séjour aussi là-bas. Ben, c'est bien. Très, très bien. Qui c'est que vous entraînez? Vous avez dit, vous avez deux entraîneurs? Freddy, oui, et Georges Coco. Freddy, oui, il n'y a pas longtemps, il est arrivé. Oui, nous t'avons rejoint cette année. Donc c'est pas lui, hein, c'est pas à cause ni grâce à lui si vous êtes bon. Il vient d'arriver. Oui, il vient d'arriver. Ah oui. C'est Georges Coco qui m'a entraîné et Freddy Rue nous a rejoint cette année. Je préfère Georges Coco. N'est-ce pas, c'est Rue? Mais c'est ce qu'il a précisé dès le départ. Il a dit qu'il est arrivé cette année et c'est vrai qu'il parlait donc de ce projet, oui, de ce projet justement Univers Plus, qui donc je pense qu'il sait qu'il est sûrement au cœur de ce projet et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a à cœur de rester dans son club pour pouvoir
grandir avec, avec son club et pourquoi pas envisager un tour. Je suis sûre que c'est ce qui trotte dans son esprit. Son premier tour. Je pense bien. Avec, vous êtes à combien au sein du club? Parce que j'ai vu que on est licencié au total chez les Open. Ah, chez les Open. Parce que j'ai vu que vous hier, je ne sais pas s'il y avait d'autres. Il y avait Clément Vincent qui a couru hier. Et on devait avoir un petit jeune aussi, Noah, mais je pense qu'il est tombé malade, il n'est pas venu. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'apport extérieur qu'il n'y a plus dans le vélo, notamment les extra-communautaires, les Vénézuéliens, les Colombiens? Est-ce que ça vous dérange ou... Moi, pas du tout. Pas du tout. Vous auriez aimé qu'il soit avec vous dans le peloton ou c'est bon, basta? C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Pas payé où? Non. Selon vous, ça ne fait pas évoluer la lutte du peloton? Oui et non. Oui et non. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites aussi en parallèle? Parce qu'on imagine que vous... Moi, je suis en alternance. Je fais un BTS en alternance de gestion du transport, de gestion de la logistique associée. Et je suis en fort alternance aux AB. Important. Abema, oui, excusez-moi. Important. Non, mais il est imprégné. C'est... Vous avez un slogan aussi, je crois, aux Abim, c'est Abim de cœur. Abim, cœur de sportif. Voilà, c'est ça. Le cœur sportif. Il dort, il se réveille, il pense, il voit les Abim. Donc, je ne peux pas être contre lui. Alors, voilà, même si on fait des appels de phare aujourd'hui, Diane Boucou, vous allez rester à l'univers. Oui, pour le moment, Le moment, oui. Parce que le projet vous plaît. Même si on vous propose de partir faire une formation là-bas, il y a pas mal de jeunes qui sont partis. Non, pas du tout. Non. Un petit mot peut-être pour votre oui. En fait, je rebondis un petit peu sur les propos que j'ai entendus de ces deux jeunes qui sont des propos qui montrent un petit peu la situation, je dirais, du vélo et de l'athlétisme. Et moi, mon plus grand souhait pour eux, c'est que demain matin, surtout, qu'ils puissent passer des diplômes, se professionnaliser et devenir aussi des vecteurs d'un mouvement économique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens qui ont pratiqué à un bon niveau, finalement, on les perd, je dirais, dans le monde sportif, parce qu'ils doivent aller travailler ailleurs. Donc, Yann Boucou a montré qu'il a un projet, ce serait de pouvoir encadrer une équipe. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse maintenant à structurer, je dirais, la formation autour de tous les sportifs pour avoir de vraies cellules. Bon, aujourd'hui, je profite pour saluer aussi le CREPS qui travaille un petit peu sur ça, avec aussi la haute performance, et que demain matin, ces jeunes-là puissent devenir des acteurs économiques aussi. Le souci, c'est qu'on ne peut pas avoir tout le monde au niveau du CREPS. On ne peut pas avoir tout le monde, mais ça veut dire qu'aujourd'hui... qu'est-ce qui empêcherait d'avoir une vraie réflexion, surtout pour toute cette jeunesse, et savoir qu'est-ce qu'elle laisse derrière et qu'est-ce qu'elle permettra à d'autres de faire dans des conditions encore meilleures, s'ils sont formés, s'ils sont diplômés, et en même temps qu'ils peuvent vivre d'une passion. Donc ça, ce serait, je pense, une réflexion à mener. Et avec, si les infrastructures suivent, derrière, ça ferait que, on est, par exemple, on se rappelle avant, il y avait des familles de sportifs. Lorsqu'on entendait un nom dans le vélo, comme c'était par exemple les Merlot, à l'USL, on savait que c'est la famille Merlot. Aujourd'hui, dans le judo, par exemple, il y avait la famille Courtois, la famille Barclay, la famille Thomas, enfin des familles de sportifs, où ça allait vraiment comme un ensemble. Mais le problème, c'est que toutes ces personnes-là, assez souvent, arrivent à un certain âge, happées par le monde professionnel, on les perd au niveau du sport. Je pense qu'il manque un organisme fédérateur. Cet organisme, je le dis assez souvent, c'est le COSGOA, non ? C'est le COSGOA qui réunit les ligues. Alors le COSGOA réunit sous la bannière olympique. Voilà. Uniquement. Surtout. Donc là, je dirais, c'est peut-être une idée générale de tous et de chacun de voir. Comment vous associez les comités, voir. Parce que là, je sais que la région a lancé quand même une opération pour voir avec M. Camille Elisabeth sous son couvert. Et M. Harry Niffon, deux anciens athlètes, pour voir exactement tout notre paysage, je dirais, sportif, pour dresser un plan du paysage sportif, toutes les demandes d'infrastructures,
J'ai entendu la région parler effectivement de la piste de pour lui. On disait que bon, pour lui, il n'y a pas de piste, non. Mais il y a des choses qui veulent se faire. Donc, puisque j'étais en réunion cette semaine des ligues et comités, donc il y a des choses qui se disent, il y a des projets qui veulent avancer. Bon, ça n'avance pas aussi vite pour le sportif. Il faut savoir que peut-être un projet, ça peut prendre entre 2 et 5 ans. En attendant, on a des sportifs qui sont présents. Des sportifs à encadrer et des générations. Et s'ils veulent leur transmettre cet influx aussi de vouloir être présents, qu'ils soient accompagnés. Qu'ils soient accompagnés. On va du côté de la Martinique, l'ancien vainqueur, parce que je vous ai entendu parler de Merlot, c'est que vous connaissez un petit peu la petite reine. L'ancien vainqueur du Tour de la Guadeloupe, si vous vous souvenez de son nom, Loris Saint-Vainqueur. Christian. Moi, j'ai connu Christian. 2022. Le vainqueur du Tour de la Guadeloupe, c'est juste pour vous embêter, parce que vous êtes judoka, c'est Stéphane Bennett. D'accord. C'est qui a remporté le Tour 2022. Vous savez où il est, c'est lui ? Il est en Martinique. Il est en Martinique, puisque avec justement. Je ne sais pas d'où était cette vidéo. Oui, avec ce n'est pas une nouvelle réglementation, c'est le président qui a décidé tout simplement d'appliquer la réglementation avec les extra-communautaires. Ils peuvent venir, mais avec un contrat bien bétonné, et ça laisse la porte ouverte aux Européens, puisqu'on peut prendre le nombre d'Européens qu'on veut dans les différents clubs. Et c'est le cas du côté de la Martinique, ce sera le cas bientôt ici en Guadeloupe. Sans commentaire, c'est vous qui allez faire votre jugement, mais en tout cas Stéphane Bennett, il évolue au sein du JC 231, deux fois vainqueur 2021-2022 du Tour de la Guadeloupe. Il a déposé ses valises dans un club en Martinique. Il y a une compétition sur 3 jours. Vous savez combien d'étapes il a gagné? Les trois. Sans surprise, les trois. Et la dernière étape, on a gagné en individuel l'interview signée Walter Riga. Je tiens à mettre en avant le club quand même, parce que ce soit moi ou un autre gars, le but c'est de gagner. Voilà, c'est tombé sur moi, tant mieux. Ils m'ont super bien accueilli ce week-end et voilà, je suis content de les remercier de cette façon. Avec une adaptation qui pour vous a été plus que facile. Non, c'est jamais facile le vélo, vous savez. Ouais. Il fait beau, les gens sont agréables, donc l'adaptation est forcément plus facile. Donc un public qui vous a soutenu durant ces 3 jours. Bah, au Caraïbes, c'est vrai que j'ai pas mal de soutien et je les remercie tous. Et quelle différence faites-vous par rapport au niveau en Guadeloupe, puisque vous avez remporté 2 tours de la Guadeloupe et le cyclisme en Martinique? Je pense que c'est difficilement comparable, parce que un tour de la Guadeloupe, c'est en classe 2, donc 140 au départ avec pas mal de groupes d'équipe pro. Donc je pense que voilà, sur des courses régionales, on n'est pas là pour comparer entre le Tour de la Guadeloupe et ce week-end. Mais l'engouement est là, la passion est là des gens, donc c'est agréable. En tout cas, merci et bonne continuation. Merci à vous. Stéphane Bennett, vous l'avez vu, j'étais sur la télé. Oui, tout à fait. Vous êtes surprise. Hein, on s'en rappelle, oui, c'est vrai. Étonnant. On ne l'attendait pas là. Et là, Martinique, à la JC 231, le critère des quartiers, c'est du 23 au 26 mars. C'est une belle course en Martinique, je pense qu'il sera là également. Donc il va de la concurrence. Hein. Donc 3 étapes. Dylan, beaucoup. Vous avez peut-être pas participé au tour l'année dernière, mais vous avez entendu parler de Stéphane Bennett. Oui. C'est un beau calibre. Un très beau même. Ouais. Pour moi, je vois que c'est un pur grimpeur. Il est complet, parce qu'il a fait le contrôle à montagne. Oui, il est complet, mais il se débrouille pas mal en montagne. On l'a vu sur l'étape des Mamelles. J'ai vu sur l'étape des Mamelles, et c'était costaud. Fin dernière étape, c'est cette étape qui lui a permis de gagner le Tour de la Guadeloupe. Il s'est gagné à Village. Voilà, c'est ça. Il était très costaud. Ça ne fait pas peur, ça va. De voir des gros calibres comme ça à vos côtés, des anciens, bon, c'est pas un ancien professionnel, mais il était pratiquement aux portes du professionnalisme. L'année dernière, je ne sais pas si vous avez couru aussi avec celui du Lamantin. Non ? C'est qui ? Vous vous souvenez pas ? Non. Brunel. Ah, Alexis, non, j'ai pas eu le temps de courir avec lui. Vous l'avez vu comment pas, mais il est fort aussi. Ça vous dérange pas d'évoluer avec des anciens comme ça? Non, mais en même temps, c'est quand même... Quand on est sur la ligne de départ et qu'on voit
des coureurs qui ont été à la porte des, à la porte du professionnalisme, mm-hmm. ben en fait ça nous motive, ça nous booste, même si on sait que on est peut-être pas plus fort qu'eux, mais le fait d'être avec eux, même dans une échappée ou bien être dans leur roue, ben ça nous motive. Diana, c'est un peu ça, hein. Quand vous allez là-bas, c'est pour les battre. Hein. Ouais. Effectivement, c'est toujours la rage d'être avec les meilleurs, d'un peu se frotter à eux pour tirer nos performances. Donc, c'est sûr que la concurrence, les plus forts, on a envie de les titiller un peu, leur dire « Coucou, on est là ouais. ». Très bien. Est-ce qu'on a d'autres résultats, peut-être? Des résultats pour les féminines et même chez les hommes avec Yann, très rapidement, juste en photo. Est-ce qu'on a des photos ou pas? Si on n'en a pas, on passe à autre chose. Il n'y a aucun souci. On n'en a pas. Donc, Yann nous fait signe qu'on n'en a pas. Donc, on va passer aux citations. Hein, ah, si, on a des résultats. Ah, ben. Si. On a des résultats. Oui, donc, on va commencer par le hand. Donc, il y avait du hand ce week-end. Et donc, je vous propose de voir en tableau les résultats donc, de cette journée de championnat. Si Yann retrouve. Voilà. Donc 17e journée de championnat et donc deux rencontres n'ont pas eu lieu, mais donc la Gauloise s'est imposée 47-23 face au Club Sport, la JSA s'est imposée 33-31 face au Cygne Noir et le Zion là s'est incliné 32-38 face à la CB. Chez les femmes, je vous propose donc de voir en tableau. Donc le match JTA Caps Hand donc a été reporté. Victoire de l'Étoile de Mornal au 31-24 face à la ZUP. L'Intrépide Handball s'est imposé également 31-18 face à l'Infini. Pointe-à-Pitre Handball repart également avec la victoire face à la JSA 30-20. Et puis le Zion là s'est imposé 35-25 face à l'ACB. Du côté du basket maintenant, c'était donc également donc la 14e journée chez les femmes ce week-end. Et donc la MJCA s'est imposée 78-50 face au Cygne Noir. Donc la MJC qui occupe toujours la première place devant le BMBC. Et justement, ces deux équipes vont s'affronter demain soir à Bemao à partir de 20h pour bien sûr justement le derby, on va dire le gros duel de ce championnat féminin. Du côté des hommes, donc également, il y avait donc la rencontre entre le Bandello et le BMBC n'a pas eu lieu, elle a été reportée. L'AOG s'est imposée face au Flyer 86-74, victoire du New Star face à l'USR 87-73. Le GGB s'est incliné face au Cygne Noir 50-63. Victoire de l'Étoile de l'Ouest face au JISC 84-49. Et la MJCA s'est imposée face à l'AS Vatable 82-67. Un petit mot rapide de foot maintenant. Avec la Coupe Vive qui a donc eu lieu ce week-end, il y avait donc les demi-finales au niveau donc de la Guadeloupe et deux larges victoires, en tout cas pour la solidarité scolaire et la Gauloise. Donc il y a eu 5-0, si on peut juste voir le petit panneau concernant la Coupe Vive. 5-0 donc pour la solidarité scolaire donc face à l'AS Gosier et puis 5-2 pour la Gauloise face au Phare du Canal. Et puis il y avait également du futsal ce dimanche, c'était des All-Star Games au niveau donc de l'UFOLEP et il y a eu match nul, 9 buts partout donc entre les Flagies et les Gravats, pas de victoire mais en tout cas une très très belle rencontre et de très beaux buts. Et donc il y aura donc la 10e journée de championnat qui aura lieu dès ce mercredi donc avec deux rencontres qui sont prévues, le Fax qui sera opposé à la New Team à Petitbourg à 20h30 et puis à 22h30 l'Intrépide sera opposé aux Eagles toujours à Petitbourg. Et vous vous rendez compte qu'avec des problèmes d'infrastructure, il faut commencer à 20h30, enchaîner à 22h30 pour pouvoir trouver des lieux, pour pouvoir faire les rencontres. Voilà. Il y avait également du trail ce week-end avec donc Petitbourg et son Ultra Trace donc de la Guadeloupe qui est organisé. Et donc dans chaque catégorie, donc sur les 10 km, c'est Samuel Attidor donc qui s'est imposé.
dans la catégorie des T25. C'est également Samuel Atidor qui s'impose. Sur le 45 km, c'est Ursel Marius de la team Rando 971 qui s'impose en 4h28 et 26 secondes. Et ensuite sur la grande catégorie donc des 90 km qui rallie Petit-Bourg à Pointe-Noire, c'est Barbe Vincent qui s'est imposé en 12h05 et 35 secondes. Voilà, il y avait également, Pascal, beaucoup de choses ce week-end. Et il y avait donc le challenge à piller également. Waouh. Et oui. C'était sur la mer. Et donc, c'est l'Europe, bien sûr, c'est nous qui s'impose. Donc, pour cette étape 2 du challenge à piller. Voilà. On n'était pas autour ce week-end, en fait. Et oui, beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y avait également les Carifs. Mais bon, on est un peu en retard, donc on n'aura pas le temps de donner les résultats. Vous avez un bon cardio quand même. Eh oui, bon, j'ai encore des restes. Vous avez été athlète, 60 mètres, 50 mètres. Bon, la piste, c'est pas trop mon truc, mais bon. Parce que c'est vrai, enchaîner comme ça les résultats, c'est bien. Mais t'es pas en apnée, voilà, ça a été assez linéaire. En tout cas, elle a tenu. Très bien. Voilà, nous arrivons pratiquement au terme. C'est un peu ça, c'est ce côté décalé qui arrive pratiquement à la fin donc, de ce challenge. Ce sont des citations, je le répète assez souvent, parce que peut-être vous, si vous, dites « Oh, Pascal, vous, ça, ben, moi, je ne vous connais pas ». Donc, c'est des citations qu'on récupère comme ça, c'est cocasse. Et c'est juste pour détaler un petit peu l'atmosphère. Mais en tout cas, si, comme on dit dans le bon créole, si tombé un jadeur, forcément, peut-être que ça peut vous occuper un petit peu l'esprit pendant un petit moment. Allez, les citations, c'est parti et on y va. C'est le petit gag. Ça, c'est le générique, voilà. Les citations, c'est parti. Police municipale. Alors, si la police municipale ne fonctionne pas, mais avec Allah, il est bon. Allez, c'est parti. Et c'est là que commencent les problèmes. Je n'ai pas beaucoup aimé le ton que tu as utilisé pour dire oui. C'est le mariage, hein, ça. Oui. Alors, karma. Ceux qui ont trahi seront trahis. À ceux qui t'ont menti, on mentira. Ceux qui t'ont trompé seront trompés. Ceux qui t'ont offensé seront offensés. Ceux qui t'ont fait souffrir souffriront davantage parce que ce sont les règles du jeu. C'est le karma. On enchaîne avec Daliana. Il faudra deux citations également. Alors, si la personne que tu aimes tremble, quand tu la prends dans tes bras, si ses lèvres sous les tiennes sont ardentes comme la braise, attention. Si sa respiration est secouée de spasmes, c'est l'amour. Si tu vois dans, si tu vois dans ses yeux briller une nuance spéciale, casse-toi, c'est la grippe. Je vais te dire autre chose, ce n'est que la grippe. Il y a une deuxième citation, c'est toujours pour toi, derrière. Là. Alors, ça, c'est moi qui ai voulu le mettre. Ça, c'est pas une citation. Okay. Voici ce qu'une école a affiché à l'entrée de sa cantine. Ce panneau indique la quantité de sucre contenue dans chaque boisson. Et, voilà. Donc, je ne suis pas le père moral, mais simplement pour vous montrer un petit peu le sucre que quelquefois nous buvons, nous ingurgitons et puis nous ne comprenons pas que ça, après, ça peut causer des conséquences très, très graves, notamment pour la canette pétillante que vous voyez. Et d'autres boissons, donc je le dis assez souvent, attention à ce délicieux poison. C'était juste pour dire de faire attention. Quelquefois, on a envie d'entendre ça aussi. Citation. Pas besoin d'un grand nombre d'amis pour prouver sa personnalité. Le lion marche seul et le mouton marche avec le troupeau. Ainsi, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Très bien. Dylan. Le départ de l'avion est à 19h. Mes parents, 5h. À 5h du matin, ils ne vont pas rater ni le bateau ni l'avion. Deuxième citation, toujours. Ne cherchez pas à être aimé, exigez à être respecté. Ce sera autour du président, Fred. Hier soir, j'ai cuisiné pour la première fois avec du vin. Au bout de 8 verres, je ne savais plus pourquoi j'étais dans la cuisine. Très bien. La deuxième, n'abandonnez jamais. Eh bien, on voit l'état en 2020 et l'état en 2023. Il y a un problème ou pas?
Ça va oui, surtout c'est... lorsque je vois leur couleur, leur pigmentation. Ouais, c'est la même personne. Hein. C'est bon. Le changement était radical. Oui, oui. Renaud Chêne, la pluie est féminine, c'est ça, la pluie. Mm-hmm. Mais pourquoi, quand elle tombe, on dit il pleut? Bizarre. Ah voilà, ça tombe bien. Quand tu as payé toutes tes dettes et que tu peux enfin profiter de ta jeunesse, voyez-vous? On en plein dedans, là. Ah ouais. C'est pas facile. Hein. Mm. Ça revient à ce qu'on disait. 50 ans, la retraite. Ouais. Bien possible. Ça aurait été mieux. Avec Séverine. Alors, tout le monde ne doit pas connaître ta maison. Certaines amitiés devraient se terminer au carrefour. Mm. Pas faux. Ouais. Pas faux. Le premier ennemi de ta vie, c'est ta bouche. Si tu veux vivre sans problème, ferme-la. Des fois, nous laissons partir des personnes que Dieu nous envoie pour atteindre celles dont même Satan ne veut plus. On continue. Oui. Tu m'as dit que tu passerais toute ta vie à me rendre heureuse. Je ne savais pas que tu allais vivre aussi longtemps. Ah, les couples. C'est jamais le début. C'est pas le premier jour, ça. Ça, c'est 3 à 4 ans après, c'est ça? Même vers la fin, même. Vers la fin, autour, rien ne va. Dylan. Allô papa, il y a un autre papa à la maison et maman veut m'envoyer chez le voisin. Je me marie le 30 février à 11h, vous êtes tous invités. Ça c'est moi qui ai mis ça à la fin. Je vous invite Séverine. Très bien, je... tous qui j'y serai. Là. Soyez au rendez-vous. Ouais, oui. Le 30 février à 11h. Président. Je viens te libérer de toute souffrance. Chérie, viens voir, c'est pour toi. T'es un couple à la maison. Non, c'est encore. Porter des vêtements sans marque et bon marché ne signifie pas que tu es pauvre. N'oublie pas que tu as une famille à nourrir, pas une société à impressionner. Très vrai. Ouais, c'est vrai. Ça y est. Terminé? Ben c'est fini. Vous avez apprécié les citations? Oui. Ça permet de l'étaler un petit peu. Oui, alors, juste avant qu'on parte quand même, un petit coucou à nos amis de la Martinique et de la Guyane qui suivent l'émission parce qu'ils m'ont envoyé des petits messages. Donc, pour leur dire qu'ils ne sont pas oubliés, Canal 10 aussi en Martinique pour le judo. Donc, je dirais coucou à eux et puis à tous les judokas de la Guadeloupe, surtout de leur dire toujours, comme dirait Oscar Wilde, viser la lune pour être au moins dans les étoiles, et ça, c'est valable pour tous les sportifs. On salue la Guyane avec le bouillon d'Awawa, Etipa, les poissons, voilà, donc le bouillon d'Awawa. On salue la Martinique avec le chocolat, le fameux chocolat. Très bien. Le pain au beurre. Et le pain au beurre. Ah oui, ça va passer, Wynne allait intervenir. Oh, ben Pascal. Le pain au beurre, surtout avec ce chocolat assez. Ah oui. C'est costaud, assez épais. Dylan, beaucoup, le mot de la fin, Dylan. Ben, merci Pascal de m'avoir invité. Oui. Et surtout, merci de médiatiser les courses. Parce que c'est pas tout le temps que les courses sont médiatisées. Et je remercie aussi ma famille, tout le monde, les sponsors, et voilà. Ah, c'était mon coup de cœur. Force, les garçons. Kevin, mot de la fin pour madame Daliana Rouvio, championne de France 2022, 60 mètres haies. Et puis on a tout dit avec Frédéric Dom tout à l'heure. On va peut-être aller du côté de Port-Louis pour mettre la piste qu'il faut. Ben, on espère bien. Du coup, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très, très heureuse d'être ici et d'avoir permis de parler un peu de l'athlétisme parce que ce n'est pas très mis en avant. Et je remercie énormément ma famille qui me soutient dans mon aventure, ma famille, mon entraîneur, mon club et les sponsors qui nous accompagnent. Et on essaye de continuer d'avancer sur une belle lancée. Voilà. Merci beaucoup. Il y a du live ce week-end? Il y aura du live. Je ne peux pas encore annoncer quoi, mais il y aura du live ce week-end. Ok, là. Très bien. Merci à Yann. Merci. Ça va, Yann?
Ok, d'accord, très bien. On va libérer Yann. Oui. Merci Séverine. Et puis on se retrouve vendredi, c'est ça? Merci Pascal. Oui, vendredi, on sera là avec Richard, bien sûr, donc pour vous annoncer les événements du week-end et bien sûr le live également que vous pourrez retrouver sur l'antenne de Canal 10, puisque vous savez qu'on essaie de vous faire vivre un maximum de sport sur, sur l'antenne de Canal 10. Voilà. C'est vrai qu'on attendait les images, les photos que j'ai envoyées à Yann, mais juste un petit salut pour la TMC, parce que c'est vrai que le TMC a fait un carton plein, notamment avec Marie-Louise Adouaud, c'était donc du côté de l'Alliance. Carton plein aussi pour chez les filles, très beau travail effectué par la TMC et l'ensemble donc de tous les clubs. Merci à vous, merci Président. On espère, on le souhaite en tout cas que tout puisse. Voilà, les photos arrivent maintenant. Très bien, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Icaru. Mais c'est pas grave. C'est, voilà, il vaut mieux tard que jamais. Donc c'est Jules Lenclume, on avait remporté chez les hommes. Et là, on a vu avec Marie-Louise Adouaud justement ce podium. Voilà, donc là, c'est lui qui décide en fait. Merci beaucoup, merci Zidane, merci Daliana. Je remercie encore ton père, ça m'a souffert, monsieur Barbeau, Foss. Merci, c'est vrai, depuis vendredi 19h. À vendredi 19h, bien sûr, pour toujours plus de sport sur l'antenne de Canal 10. Bonne soirée à vous.